Oh, ça a l'air. Ça Ouf. y est, Coty, t'es là? Bientôt, j'y suis Séance d'abord. Je peux pas aller plus vite que le timer des Tu l'as eu croissants. où ton casque, Alex? Il est beau là. Il est chouette. Le petit casque comme ça. Vélol. Unga, unga, Je suis venu unga. avec ses autres pour les gradins. Unga, unga, unga. Dardar avec nous. Dardarus, Et c'est moi. le seul qui est cul nu là, non? C'est qui est cul nu là? Il court vite aussi, lui. Hein. Alex, t'as oublié ton pantalon? Tribu de Balek. Il vient d'où le nom Balek? Bah les couilles. Suivez-moi pour les gradins. Suivez-moi. Balek. Suivez-moi pour les gradins. À part je m'en bats les couilles. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça en plus. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est sérieux? Oui, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tribu de Balek. Je m'en bats les mais lol. Vous en prie, prenez place. Le diminutif, je m'en bats les couilles, c'est... Je m'en prenez bats place. Les... Voilà. D'accord. Ah d'accord, parce que en plus... Oui, puis il faut pas que je m'assoie à l'envers, moi, forcément. Et puis vite, et puis vite. Fais au moins 100%. Hé hey, la vie? La vie ou la mort? La mort ou Tchitché? La mort ou Tchitché, ouais. Tu m'étonnes. La mort, mort Tchétché, pas Tchétché quand même. La mort, mais avant Tchétché. Oui, voilà, c'est ça, la mort, mais avant Tchétché. Je vois qu'elle la connaît bien, Gégé, quand même. Hein. C'est qui les deux qui commencent? Ça, c'est Chou contre Dardar. Et... D'accord. Pourquoi Dardarus il rebrousse ce chemin là alors? Eh, tu fuis Dardarus? Honneur à ta tribu. Non mais oh. Non, je commence moi. Non. Bah si, c'est toi qui commence. Allez. Je vais boire. Je vais boire. Vas-y, gladiateur des bacs à sable. Il me faut de l'eau. Il y a plus d'eau. Dardarus et l'eau, c'est une longue histoire. Hein. T'as pas. On a l'impression que tu marches au ralenti, je sais pas si c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Ah! Ah! C'est dommage, le tambour, on l'entend pas assez. Je sais pas si on va bien voir hein, d'ici. Hein. Ouf! Je sais pas si au stream, si vous allez bien voir. T'as quoi comme problème, Frost? Il a quel âge ton chat? Il a 3 mois, je crois, c'est ça? 3 mois, normalement, c'est pas ça. Oh oh. J'ai pris chou. J'ai pris chouquette. J'ai pas de longue vue. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû prévoir la longue vue, ouais. Ah, puis là, on va avoir l'insolation. Non, je ne m'en rends pas. Je fais une lopette, moi. Laisse-moi me relever un peu. Level 16, ou est-ce qu'il est by? Mouah, 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 mouah. Ouais. Tribu Balek. Déception. As-de-
Bah ouais. On sait qui le suivant? Suivant, c'est toi contre Squall. Ouh, le vilain trou. Heureusement qu'on passe pas à travers, hein. Là, je sais pas comment qu'on se baisse. Donc on va faire oui. Merde, le bestiole. Ah, ça va pas être évident. Ça m'arrange pas tant comme ça. On va tarder un petit peu. Allez, les petits. Ouf! Plus qu'un seul bonus, vous êtes 100%. Allez, sérieux! Oh mais lol. Ouais mais le bouclier il est trop chiant quoi. Mon petit chagui jabi. Le bouclier il est trop chiant je trouve. Tempête. Tempête. Et on a droit à quoi comme bouclier? Bah c'est le bouclier en fer, le gros bouclier en fer là. Ah, carrément. Ouais. Ah, je croyais que c'était celui en bois. Ah, ben ça change la donne. C'est pas celui de anti-émeute là. Non. C'est celui en métal là. Ouais, ouais, c'est ça. Il est trop stylé, on dirait un bouclier des chevaliers quoi. Parce que tu vois, il part en pointe. Oui, c'est ça. Là. Mais c'est exactement ça. Tellement joli quoi. Il est petit. Il reste plus que bonus à vous faire et c'est bon. Lever tomber. Comment ça lever tomber? On peut faire ça lever tomber? Mais écoute, oui, je me suis levé du siège et je suis quasiment passé à travers. Ah d'accord. Oui, t'as glitché. Voilà, j'ai glitché, c'est triste. Ouais. Mais pas moi aussi j'ai glitché de mon dragon et qu'en plus j'étais d'une hauteur phénoménale donc du coup on revient comment après? Bah il m'avait TP hein. Il m'a re-TP Alex. Donc à mon avis il va TP hein. Ok. Allez des petits. Y aller.
Après, quand tu te bats à l'épée et au bouclier, comme ça, c'est pas le moins... C'est pas, comment dire... Être grand, c'est un avantage, je trouve, aussi. Ouais, parce que tu frappes. Parce que tu frappes ? Merci pour le TP. Bon, du coup, on va regarder plus près, hein. Oh, carrément en vert. Bon, vous m'en voulez pas, hein, je prends la place du roi. Mais c'est quoi cette bannière qui me gêne là? Oh, mais comment il m'a grillé lui! C'est un tape quoi, pourquoi? Bon bah, reste comme ça, on a une belle vue là. Pardon, j'avais pas vu, j'avais du public. Non, non, continuez, très cher. Ça nous plaît, continuez. Ok, très bien. Jimmy, il fait quoi? Celui-là, je pourrais pas y arriver. Donc le prochain combat, là, c'est qui? Mais lol. C'est qui là qui combat? Gatine, tu as perdu. Oui. Moi qui vais te retrouver en finale. Bah ouais. Bah ouais, désolé. Là je m'y attendais pas. Squeeze il est grand, j'ai eu un peu de mal. Ouais bah on attend Gotti hein, pour le prochain combat. D'accord, donc faut attendre Gotti là alors. Ok. Salut Kali, bienvenue sur Ustream. Bon Calapec, tu fais des galipettes? En fait, c'est un concert de tambour ce soir. Il est super beau, Galapec. Je te confirme, c'est un très bel homme. Avec ce qu'il faut, où il faut. Tom, tom. Tom, tom. Dardarus. Mais lol.
Eh, hey, fais gaffe, hein, tu vas te les faire casser là. Mon pote. Il fantasme, je pense. Vas-y, joue, copain. Montre-moi ton talent. Ah, je peux pas du tout te dire. J'arrive pas. Bah essaye. Ouais, apparemment c'est parce qu'ils l'ont posé en tant qu'admin ou je sais pas quoi, donc du coup ça appartient à notre tribu. Ouais. Ouais. Faut que ça soit nous qui les posions pour qu'ils puissent taper dessus. Ouais, je peux pas. Je peux pas marquer une tribu Valak, je peux pas. C'est pas possible. Galapek, c'est quoi la définition pour toi d'un très bel homme? Parce qu'on va tous avoir une définition différente. Donc du coup, ça n'a pas de sens de dire beau ou belle. Vu que c'est une question de goût. Non, du tout. Parce que ce qui va être beau pour moi, sera pas forcément beau pour... Ah, j'ai fait ma blonde. Ah. T'as fait comme moi. Ouais. Ce qui sera beau pour certains, sera pas forcément beau pour d'autres. C'est sûr. Donc de là, partir de là, hein. Mais parce que c'est vrai, Frost. Je vais pas dire un truc qui n'est pas vrai. Pas de tu... coucher, ça marche pas. Bah, je sais pas pourquoi ça marche pas. Y a plus d'eau. Et comme c'est pas irrigué. Bon, du coup, on va boire là-bas. Hein. Non, genre, oh le coup de merde qu'il vient de me faire. C'est vraiment bien le monte-charge. Faut qu'on s'en fasse un. Hein. Coup de merde. Non, on sait pas du tout à quoi Alex ressemble. Oh, Dardarus. J'ai raté la marche, pam 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 pam. D'accord, donc il n'y a plus d'eau là non plus. Tout est sèche. Oh, il y a une pénurie d'eau là. Mais c'est quoi cette taverne où il n'y a même pas d'eau? Ah? Ah oui, Dardarus il est mort. Bah justement, comme les goûts ils varient de tout à chacun, je pense pas qu'on puisse affirmer avec certitude lui il est beau, lui il est moche quoi. Ou elle, elle est belle, elle est moche. Déjà, au niveau du visage, s'il y a une symétrie parfaite entre deux parties, ça signifie que c'est beau ou belle. Je sais pas, je regarde pas la symétrie des visages, moi, perso. C'est pas un truc qui me... Bon, c'est une étude qui a été faite, après. Bon. Ah, d'accord. Chacun voit comme il veut, mais... Après, ouais. Oui, c'est ça, le signe déterminant, quoi. Au niveau du visage, hein, je te parle. D'accord. La symétrie, quand tu sépares
la tête en deux. Faut que ça soit symétrique. L'œil, les joues et compagnie. Les oreilles. Et moins c'est symétrique, et moins c'est... Voilà, moins ça le fait. Genre Kaijimodo, ben voilà. Recarbo. Ouais, ça marche. Ouais, bonne app, tu vas te faire des pâtes. Lol. Pâte à carbo. Combien de fois on lui fait cette vague? Et après tu fais ma idée des gants. Moi c'était jamais chaud. Ça dépend des circonstances, attention. Pas de beau. T'as plus la blague. T'es en train de te faire tes animaux là, Gauthier, c'est ça? Ouais, il en reste plus que deux et puis c'est bon. Et il reste combien de temps là? 2 minutes. Combien de temps tu m'as dit? 2 minutes. Ah, ça va aller vite alors. Je sais même pas si Insecte est là, Frost en fait. Peut-être qu'elle est occupée. Trop de MP. Allez, avance. Ah, ah d'accord. Des croquettes de vautour. Plus qu'un et j'arrive. Bon, encore auprès de les jeux là. On a soif, on a soif, on a soif. Allo, ici tout le monde, on a soif ici sur ouais. Le terrain de l'admin. Voilà. Je répète. Mais non. Mais lol. Et moi qui retombe de là-haut. Allez, c'est bon. On refait le tour. C'est qui vient de me passer devant? YMCA. Elle va bien la musique avec, hein, avec ouais. Le saut. Bon, il va falloir faire un stream blind test. Ça vous plairait? Pourquoi pas? Ça y est, ça se fight. Voilà, quand on commence à manquer d'eau, puis à presque être mort, on voit flou. Moi, je suis tombé de 2 mètres et crac. À voter. Bah, demande-lui. Frost, demande-lui. Elle est en direct, là, demande-lui. De quoi? On peut la mettre en entier si vous voulez, hein. Y'a pas que ça que j'ai mis. Y'a pas que ça que j'ai mis. Écoute, écoute Gauthier. Rien que pour toi, je l'ai mis aussi. Attends, je suis pas encore sur ton live. Levioso. Ah, Levioso. Stop. Tu connais vraiment pas Frost? C'est Village People qui la chante. YMCA? Ouais. Ah, oh, mais je te connais, ça. YMCA. Bon.
Non, c'est les vieux sacs que j'ai mis sur le stream. Oh, c'est ça. Les vieux ans. Mais limite, tu vas t'enregistrer toi et c'est le tien que je vais mettre. Parce que limite, je trouve le tien vachement mieux que le... que celui qui est là. D'accord. Salut, Salker. Stalker, pardon. Comment on va? De toute façon, moi, je suis presque morte. Bon, bah, je vais garer. T'es sérieux, Frost? Mais lol. Tu veux que je fasse lire? Bah non, pas forcément Galapex, c'est quand même un groupe qui est assez vieux. Hein. Qui connaissent pas, c'est compréhensible. Hein. C'est un groupe ça qui était qui est dans les années 70, il me semble, les années 70-80, donc... Tu veux que je lui fasse lire, t'es sûr? Alors là, on est en... Ok, tu peux venir voir sur mon écran, bébé? S'il te plaît, t'as un truc à lire. Là, on est en train de faire un tournoi d'arène. Donc, il y a eu déjà deux combats qui se sont passés et on attend Gauthier pour qu'elle fasse le sien. Ben, je sais pas ce qu'il faut, là. Il faut que je me déshabille. Ah, tu me lis, là, ce que Frost... Il faut que t'ailles dans les armoires. Il fait... Ils sont où, les armoires? Alex devrait te montrer. Non mais t'as lu la suite? Elle est où là? Oh! Oh carrément! Waouh! Regarde! Oh! Voilà, maintenant je te laisse lui répondre. Bah non, je suis pas peur. Elle fait juste peur. Un œuf de dragon. La bière, ça sert à quoi? La quête de jetons. Pour ma quête de jetons dans la fête des brasseurs. Ah, il y a un nouveau jouet. Bah oui, tu m'étonnes. T'as pas vu qu'il y avait un truc à Baie de Butin aussi où tu peux t'habiller en pirate? Ouais. Bah écoute, on le fera tout de suite après, Stalker, parce que là pour l'instant je peux pas. Là déjà, ouais. Je vais pas tarder à mourir, si le combat il commence pas, je vais même louper le combat. Bah, je vais encore me péter une jambe avant de commencer, c'est cool. Merde. En fait, je sais pas s'il reste des admins là en fait. Ils sont tous morts par la chaleur? Non? Ah! On voit. Tu vois, la BDI, il serait. Il me dit le moins du centre. À boire! Je meurs de soif! Allez, c'est l'heure, va falloir aller se poser au gradin. Pardon? Va falloir aller se poser au gradin. Le combat va commencer. Pourquoi au gradin? Et si j'ai envie de rester là? Oh, vas-y, comment il m'éjecte le monsieur là? Je filme, moi, monsieur, je suis journaliste. Donc il faut que j'ai une belle vue. Bon, on va regarder d'ici. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, mais bon, on va bien voir. Mais bien sûr qu'elle l'a dit, Frost. Faut t'arrêter de douter comme ça. Oui. Oui, c'était moi, mais à une période de ma vie où j'étais beaucoup mieux que maintenant. Donc forcément, c'était pas pareil. C'était... voilà. La première que je t'ai montrée, c'est la toute première. Et attends, je crois que c'est... Attends, les trois que je t'ai montrées, je t'en ai montré trois, hein, c'est ça, photo? Celle avec la bébé, le bébé, tu le mets en tout premier. Celle où je suis avec ma mère, tu la mets en deuxième. Et l'autre, tu la mets en troisième.
dans l'ordre chronologique des choses. Eh, cool la musique. Voilà. Bah, je suis mort, je suis évanoui. Je vais pas pouvoir le voir le combat. Bah, je te passerai une photo, Olivia. Mais bon, t'es ami avec moi sur Facebook. Donc, logiquement, tu devrais les voir déjà, les photos. Bah, voilà. C'était sûr. Laquelle tu préfères des trois? Il vient de faire quelque chose. T'exagères, Livia. Ça date de 1920. Je suis né en 1975, donc on... c'est difficile, 1920, là. Oh, putain. Salut, Proxion. Ah, merde, non. Bienvenue sur le stream. Disons que t'auras pas des photos récentes de moi pour des raisons X que peut-être je vous expliquerai plus tard. Voilà. Pour faire court. Attends, c'est quoi ce délire? On peut pas respawn, là. Il est mouru. Disons qu'après t'as une période où j'ai eu pas mal de choses qui étaient pas très forcément belles ou sympas vis-à-vis de moi. Normalement non, parce que mon dragon il est là-bas, donc il faut qu'il me TP déjà. Stalker. Ouais, je dois attendre. Et je me suis j'ai arrêté de faire attention à moi, on va dire, entre guillemets. Et le stress y ajoutant, ça n'aide pas. D'où ma réponse, tu te rappelles quand je t'ai dit d'aller voir un médecin, Frost, tu te rappelles pas quand je t'ai parlé que je t'ai dit que le stress il pouvait faire énormément de choses sur le corps. Voilà. Non mais t'inquiète, Livia, hein, je sais bien. Hein. Vous en aurez. De toute façon, j'en ai passé à Frost déjà. Il peut te les passer si tu veux. Comme ça, tu verras. Ouh. Mais c'est pas des photos récentes, ouais. Parce que les photos récentes, je les évite. Ah, c'est vrai, on les évite, les photos récentes. Voilà. On évite les photos récentes. Ah, cool. Bon bah Tartarus tu le prendras hein, le... Ah bah non t'es là aussi. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les admins, ils nous TP plus? Bah non, du coup. D'accord. Ouais je suis en train de regarder là. Bon. On va aller chercher le... Hop et voir. Du coup je vais te la montrer la faille. Mais j'ai pas dit que j'étais moche là, Frost. C'est pas, je t'ai pas dit que j'étais moche rapport au stress, pardon. Après, moche ou beau, c'est quoi? C'est, je sais pas si c'est vraiment un critère quoi. Énorme. Putain, c'est trop bien fait quoi. Tu te mets dans mes pattes, Tartarus? On va aller chercher le dragon. Ok, c'est bon. Nickel. Donc on va aller chercher le dragon, donc je vais te le laisser le conduire et je vais montrer la faille à... au monsieur qui me le demande sur le stream. Archi stressé, ouais. Je serai très moche plus tard. Mais non, ça veut rien dire avec ça. Ça n'a rien à voir avec la beauté, le stress. Le stress, il attaque le corps, c'est pas forcément point de vue. C'est physiquement, mais c'est... je sais pas comment le dire, en fait. Sans rien, truc, non, plus non, non, plus surtout pas. De quoi, Tartarus? Ce qui attaque vraiment le corps, c'est la clope et...
Et le reste? Bah, le stress. L'alcool. Le stress et le stress. En priorité, c'est l'alcool et le... Ah oui, on est d'accord. Et mais les élévateurs, c'est trop génial. Fallait boire un petit coup, moi. Bah, on va dire que c'est plus l'intérieur qui trinque, parce que, par exemple, tu vois... Bah non, ça peut être l'extérieur aussi, parce que l'intérieur, il peut influencer sur l'extérieur. Tu peux perdre du poids, comme tu peux très bien en prendre. Tu peux après, ça peut... Quoi ? Je t'ai lâché, Dardarus ? Ouais, tu m'as lâché. Putain, j'ai dû avoir un lag. Mais non... Bon, on n'a pas de bol, là, ce soir. Bah, autrement, demande... attends... Voilà, c'est ça. Ça peut attaquer l'intérieur et l'extérieur et ça dépend ce que ça attaque, quoi, suivant tes... Bah déjà, tes prédispositions génétiques, je pense. C'est ça. Moi, j'ai connu de grands sportifs et qui sont morts d'un cancer ou alors mort subite. C'est ça. Ça arrive pas qu'aux autres. Merci. Oh. Ah, tu commandes chez Luce. C'est une bonne boutique, ça. Ils font des putains de produits aussi, quoi. Là, voilà la faille, monsieur. Donc, j'espère que tu regardes. Plus je me fais attaquer. C'est où l'eau? Ah, voilà. Donc, tu voulais voir la faille à dragon. Là, voilà. Voilà. Y a pas mal de dragons là. Je vais pas trop y traîner parce que. Ah, c'est bien peuplé là. Que dois-je faire, mon boyer? Non, ça c'est la bière, c'est. Bah ils sont où les nids? Dans les nids, bah. Mais lol. Alors attends, je vais te montrer. On va essayer de t'en montrer hein, s'il y en a un de visible. Alors, c'est tous les trous qu'il y a. En fait, des nids, il y en a plein. Le problème, c'est que des trous pour les nids, il y en a plein. Le problème, c'est qu'après, dans chaque trou, il n'y a pas forcément un nid qui y est, quoi. Tu vois, les... ça va pas être évident pour te montrer parce que... Tu vois les trucs où il y a les trucs blancs, là, à chaque fois, comme là, en face. Bah ça, c'est des endroits qui sont susceptibles d'avoir un nid. Tu vois les creux là que tu vois sur les côtés là. Comme ça là. Et il suffit d'en trouver un où tu vois de la paille. Donc où tu vois un nid quoi. Un nid avec de la paille. S'il y a rien, c'est qu'il n'y a pas de nid. S'il y a de la paille, c'est qu'il y a un nid. Donc s'il y a un nid, bah faut qu'il y ait personne à côté. Tu te poses dessus. Tu vois comme là il y en a un. Mais il y a un dragon à côté, donc là c'est vraiment pas le moment d'y aller. Tiens, là-bas il y en a un. Je crois qu'il y en a un là. Voilà. Tu vois, ici, il y en a un. Donc, on va regarder. Voilà. Alors, moi, déjà, ce que je fais, c'est que là, tu vois, je vais la mettre en passif. Non, c'est bon, elle y est déjà. Elle y est déjà en passif, donc c'est bien. Son œuf, il est... Oh, 224. Donc là, tu vois, tu le voles. Tu montes vite. Et tu te barres. Voilà. Après, tu regardes si t'es suivi. Et en général, tu l'es, et là, je le suis. Et tu te barres toujours. Parce que là-bas, on va te courir. Regarde, toute la famille qui te court après, là-bas. Regarde toute la famille qui a... Tout ce qui me suit. Vous m'aurez pas. Tu sais quoi, Gauthier? Il est quel level, ton œuf? De quoi, mon œuf? Oui, ton œuf. Mais j'ai pas d'œuf, là c'était un œuf de récompense. D'accord, donc l'œuf le plus gros que t'as eu, ton dragon, c'est combien? 310. Combien? 310, c'était plus gros. 310, bon bah alors c'est moi qui ai l'alpha maintenant. T'as 328. Jean!
Mais non, je déconne. Il est 224. C'est dommage, hein. On va y retourner, on va en chercher un autre. Donc, est-ce que ça répond à ta question, sale stalker? On peut y retourner, hein, si tu veux que je t'en montre d'autres. Ton trophée est dans le frigo. C'est qui a gagné? C'est Squalls. Attends. Pas que c'est... C'est G... G Paugua. Là, ici, là. C'est qui le gagnant? Putain, j'ai pas eu le temps de revenir pour voir le combat final. Le gagnant, c'est G Kadabra, là. D'accord. Donc là-bas, tu vois, il y a un nid, mais il est pas, il y a pas de paille dedans. Donc j'imagine qu'il est vide. Putain, il y a un scorpion qui est là, qui est tombé. Là, il y a que dalle aussi. Là, c'est vide. Là-bas, c'est vide aussi. Ah, ils sont pas tous pleins. Hein. Là-bas, il y en a un qui est plein, mais la dragon qui est à côté, donc vaut mieux pas. Tu n'auras pas le temps de tuer, de partir. Ouf, j'aime pas les frises comme ça. Bah surtout quand on est là pour les nids, quoi. On va aller voir si on a là. Oui. Oh, 264. Hop. Merde. Allez, comment... un petit dragon de foudre. Ah, je vois pas. Ah, bon là ce coup-ci je vais rentrer, hein, parce que je peux pas tant. Enfin, y a pas trop de dragons qui me suivent là. Hein. Je peux pas trop rester avec les dragons comme ça sans les mettre au frais, quoi. Donc voilà pour le vol de d'œufs de dragon, donc. Faut vite que je rentre. Parce que là, le personnage il commence à prendre cher. Mais c'est bien les moments de folie, Frost. Moi j'aime bien les gens avec un moment de folie comme ça. Donc du coup, Gauthier, là, c'est toi qui es en train de combattre, c'est ça? Ben j'ai fini, je suis en train de m'amuser. D'accord. Avec les admins, là. Bon alors, c'est quand que tu nous rejoins, Frost? Tu nous rejoins là ce soir ou tu vas commencer demain avec nous? T'es où, Dardarus? À la base. D'accord. Bon bah je reviens du coup te chercher en même temps alors. Là j'ai trop soif. Tiens, bah, je vais te les offrir à toi, tu les veux les œufs? Allez. Comme ça, ça te fera déjà des bons dragons. Si tu veux être... Hein. Ouais. Merde. Si tu veux être... comment dire,
Éleveur 100%, faudra le faire au bon moment. Attends, je vais boire un coup parce que j'ai trop soif. Puis on va aller chercher l'autre dragon parce qu'on peut pas le laisser là-bas. Tiens, tu fais surtout pas utiliser hein, sur les œufs. Hein. T'es où? Ouais, tu ne le manges ouais. pas. Je ne le mange pas. Tiens. Ça se jette, ça se mange pas. Enfin, 264. Drop. Voilà. Vas-y les trucs. Alors je te laisse les mettre dans le frigo. Énorme. Ouais, mets-les dans le frigo. Je peux pas bouger. C'est vrai, sérieux. Bah redonne-les-moi alors, je vais te les mettre dans le frigo. Je suis blasé quoi. Relève les levels comme ça, tu te rappelles bien c'est lesquels. 264, 224. Voilà. Je te les mets au frais. Moi le mien là, Alex il m'en avait ramené un aussi, c'est le bleu. Il est... T'as un 200 aussi. 272. 272. Ouais. C'est quand même c'est pas bien. Mal. Ouais, je pensais pas hein. 192 là, un poison. Quand même bien fait. Il y en a des pas mal hein. Les petits après level 24 là, ça on va le virer. On va faire. Mon prêt Dardarus? Ouais ouais. On va aller chercher. Il fait trop froid qu'il me dit alors que dehors il fait 29 quoi. Sérieux l'œuf. Tu te remets entre mes pattes? Allez. Bon, puisque je suis dans la faille à dragon, je vais en profiter pour aller me chercher quelques œufs. Et d'ici, tu peux tirer normalement Dardarus. Ah yes, effectivement. C'est pas mal, hein. Ça peut être cool. C'est super cool. Pour taïm les bêtes ou en PVP, c'est super cool. C'est vachement pratique. C'est clair. Ah, il y a trop de dragons là. Ah, quelqu'un qui est parti, qui est arrivé. Heureux, c'est moi. Heureux. J'ai allé. Tu tapes pas du combien, Alex? Je tape pas du combien? Ouais. Non, non, avec ta force d'attaque, tu tapes pas du combien? Pas question de ça. Donc c'est qui l'a gagné les 20? C'est Squeezie, c'est ça? Non, c'est Chouchou, Choupa. Chouchou, d'accord. C'est un enfoiré de merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai fait le combat contre Gauthier. Oui. J'étais déjà, avant de faire le combat, hein, je parle, j'étais déjà à 1000 life. Parce qu'à cause de la chaleur et tout, j'ai perdu ma vie. Donc du coup, Gauthier m'a encore mis des dégâts et on a enchaîné la finale derrière. J'étais quoi, peut-être à 30% de vie, quoi. D'accord. Et lui, il était full life, l'enfoiré. Mais bon. Pour le fun, quoi. Vous pouvez pas te régénérer avant? Bah, on va dire tant que ce. En fait, dans le désert, on pouvait pas se régénérer dans le sens où on perdait de la vie par rapport à la chaleur et l'armure en métal, en fait. Mais bon. Ouf. Ouais, j'ai perdu Gatine au final. La Gatine a perdu. Ouais. Mais je t'ai vengé, j'ai coupé Squall. C'est gentil, merci. C'est bon, Dardarus, tu vas arriver à me suivre? Ouais. Fais attention à mon bébé, hein, parce que là, c'est mon bébé que t'as pris. Hein. Elle a 100% élevage.
tu vas un peu plus à gauche et t'as un truc de lave. Tu fonces dans la lave. Elle aime ça. Dans la lave. On va en haut, en 50, en 30, 30, 50. Alors ça raconte quoi de beau? Bah qui du vieux? Non, je regarde sur le chat, tu sais. Comme bon, du coup, c'est un peu dur, hein, l'event comme ça. Dans le désert, je trouve que on a vachement besoin d'eau, quoi. Parce qu'on a vu. On n'avait pas pensé du tout à ça, en fait. D'un côté, on a perdu pas mal de vie et tout ça, parce qu'on a entendu Gauti. Ouais. C'est ça. Mais autrement, tu sais, les admins, ils devraient pas se faire chier. Vous devriez DL le mode là que je te parlais. Je sais plus le nom. Il va vraiment faire que je te mette tous mes fichiers d'un côté, de côté. C'est vraiment un mode qui va vous faciliter la vie parce que vous allez nous TP dedans et après ça sera parti. On pourra le faire à l'infini, quoi. Et pour le coup, t'auras pas besoin de faire de TP, t'auras pas besoin de faire la soif et tout ça. Parce que ça fera comme sur Rust quand tu vas arriver, t'auras tout sur toi, quoi. Donc t'auras les bonbonnes d'eau, t'auras la bouffe, t'auras l'armure, t'auras tout, quoi. Bon bah voilà. Ah ouais? À qui? À Dardarus? Non, Dardarus, je m'inquiète pas. Lui, il sait se servir du bazooka. Il s'appelle pas... Lui, il s'appelle pas Indica. Qu'un resto ce soir, d'ailleurs. Tiens, les Fennecs, ils annoncent une tempête. Ah bah. L'orage, ouais. Ouais. Bah, j'espère que tu vas être arrivé. Ah, je suis là. Bah, nickel. Je me suis coincé la tête sur la porte. Bon, maintenant, Alex, on t'attend à la base, hein. Arrivé. Ouais, on t'attend là. Go, go. Vas-y. Ça marche. On s'équipe et on va te sabrer. Bon, ça, je vais aller me faire une petite clope. Ça marche. Bon, petite séance PVP là. Après, je couperai le stream parce que là, je dois pas déco tard. Donc, genre minuit, voire minuit et demi. Je pense couper. Pilotage, minuit, minuit et demi. Je sais pas ça par contre. Hein? Ah. Je suis assommé. Ouais, parce que minuit c'est dans 10 minutes, donc ça va être un peu chaud. Minuit et demi, ouais. Non, je pense que ça sera plus une heure, hein, c'est ça? Déco, ah ouais, une heure? Bah, moi je veux pas tarder par contre. Ah ouais? Déjà? Ah ouais, bah déjà, ouais, minuit. Je bosse demain. Ouais, je sais. Attendez, alors j'arrive. Et vous faire un petit coup. On va se rééquiper, du coup. On va reprendre les tenues. Mexique. Bon, vu les nombres de tirs que t'as dans ta base, je vais pas rentrer dans ta base. Tu vas sniper par le haut? Ah, je sais pas, mais en tout cas, je vais pas être suicidaire à rentrer dans ta base avec. Avant, t'en avais 3, c'était déjà chaud, alors maintenant t'en as encore 2 en plus. Là, c'est une limite mission. Tout seul, hein, je parle. Tout seul, ouais. C'est une mission impossible, quoi. Limite. Mission, ouais, avec les dinos, ouais, j'avoue. Faut trouver d'autres combines là. Mais tu sais qu'après, t'as. Ah non! Je pense toujours à Rust, mais il faut pas que je pense à Rust. Ouais, j'ai vu. Bonne nuit, Livia. À demain. Merci d'être passé. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça, c'était sympa. Et j'avoue que l'entrequête, c'est quand même pas mal de dégâts. Ouais. Fait du 200% de dégâts en attaque. Qui? Alex, toi. Tu veux savoir mon dégât de mêlée? Ouais. Mon dégât de mêlée, je suis à 550. Putain! Oh, mais c'est normal, moi je ne suis qu'à 200 d'attaque. On va prendre ça. Et c'est parti. I come back. Y'a plus de fusil de précision? Oh putain. Ouh, non, ça... J'ai pris un fusil de snipe, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul. C'est le match à quel. Ouais, non, mais c'est bon. Donc, du coup, je repose les balles. Et les balles, c'est les whites, c'est ça? C'est les fusils de précision. Je sais pas, moi, j'ai pas le jeu en anglais. Je l'ai en français.
Donc on va prendre ça. Bah trop bon, on va s'en faire, c'est pas grave. Lunettes de visée, hop. Bon. Tu le mets comment en français? Il faut que tu déco complètement. Ah ouais, d'accord. Fais de main alors. Ouais. Donc pour faire un peu de balle. Ah mais merde, c'est ça qui est con avec le... Quand il y a de l'orange, là, tu peux rien foutre, quoi. Faut que j'arrive au vite à mon tour, comme ça. J'ai un avantage. Bah, je sais pas, Opertune. Je crois qu'il est parti du... Tout simplement, je sais pas. Je sais pas ce qui... Je sais pas si... J'ai pas regardé s'il était toujours dessus ou pas. Non, il est pas. Il est pas. Il est pas sur... Il est pas sur Discord. Voilà. Il va le regretter de pas être passé alors que t'étais là. Bon, par contre, je te conseille d'attendre la tempête pour revenir. Non. Pourquoi ce conseil, dis-moi? Parce que tu peux pas tirer les trois quarts du temps avec les fusils quand il y a la tempête. Tu crois ça? Bah écoute, moi ça m'est déjà arrivé après. Je sais pas si ça le fait à toutes les tempêtes, mais je sais qu'une fois que ça m'est arrivé, ça m'a surpris quoi. Bah écoute, tu verras bien. Et même si je viens avant la tempête, histoire de me placer, tu vois. Ouais. Merde. D'accord. Ouais, tu m'as donné une idée. Pourquoi noob? Noob, c'est-à-dire que c'est bien sur Arc, c'est un noob, c'est ça? Ouais, il dit, bah oui, débutant, noob, va faire du Arc, il lui dit. Ah, là, je suis pas trop dispo pour aller tuer une vie, ouais, hein, désolé, je suis en argent. Ça mange quoi, les gens? Oh, you touch my tra-la-la. Merci pour ton follow, Vérec. Vérec, pardon. Ouais, mon élevage, après, je sais. On peut pas tirer. Non, bah non, tu peux, je te l'ai dit, hein. Non, attends, je coupe juste. Je voilà. J'ai juste coupé le stream le temps du PVP. Mais où le placard à bouffe de trop? C'est dans le frigo. Ah bah oui. Là-bas. Mais non, wow, c'est pas un jeu de noob. Moi aussi ça m'a étonné quand j'ai pas pu tirer pour quand il faisait de l'orage. C'est balles de fusil ordinaire. Et on n'en a plus non plus. Ouais, désolé, c'est parce que je suis sur haut en même temps, du coup, je peux pas trop parler. Ça marche. Mais non, Galapec. Salut, Sajotze. Bienvenue sur le stream. De toute façon, c'est simple. Si tu rentres pas dans la base, y'a qu'un endroit que tu peux nous snipe. Et il est en haut. Y'en a pas 50, hein. Et demain, je te garantis que demain, tu ne pourras plus utiliser cette falaise pour nous snipe. Tu crois? Ouais, tu crois pas, je suis sûr. Je te garantis que je vais faire les spikes et je vais tous les poser. Donc il faudra que tu trouves un autre petit coin. Fait du camping, monsieur. Bah vu qu'il y a aucun poste d'observation, ouais. Voilà. T'as pas trop le choix quand on fait que ça. Tu
tu peux mettre des têtes à ce jeu ou pas? Non. Pas comme dans Rust, non. Et t'as un poil si, mais c'est ton armure, oui, non. Voilà. Ça rebondit ou bien? C'est ça qui est bien justement, c'est que tu meurs pas tout de suite et t'as une chance quoi. Que Rust, c'est vrai que tu meurs assez vite. Tu meurs très vite même. Là, ici, tu verras que c'est pas du tout la même. Bon, ben voilà. Orage fini. T'as vu comment il tourne en rond, Dardarus? Il est pressé, là. Hein. Il est pressé de te rencontrer, là. Hein. Moi, je finis de faire mon armure, là, parce que... avec la moitié des pièces, ça va peut-être pas le faire. Et on va faire un peu de balles aussi, pour le coup, parce qu'il y a les poils... Tu sais qu'il y avait une mitraillette aussi, hein, Darda, je sais pas si t'as vu. Ouais, je me rappelle, elle est là. Je sais pas si tu préfères ou pas, après. Je suis une fougère. Balle de fusil ordinaire. Vous allez être surpris. Ouais. Moi, je te vois déjà avec ton piaf de merde. Ah ouais? Il est champion. Ah non. Ah, si. Bah... Je te snipe déjà, hein. Mais lol. Voilà. Péron. Balle ordinaire, lingot et poudre à canon, putain. Je sais pas si on en a encore de... Lingot... En tous les cas, je l'entends tirer, hein, donc c'est que forcément il a vu quelque chose, hein. Puis on va plus avoir... Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. Plus de balles, ça sucks. Comment elle recharge? Mais viens prendre dans le coffre, il y en avait 100 et quelques, pourquoi t'as pas tout pris, Dardarus? Oh, j'en ai pris 29. Bah 29, c'est vraiment pas suffisant, hein. Par contre, c'est recharger, c'est quoi ce délire? Recharger, c'est pas possible. R. C'est R pour recharger. Ça fait bonne valeur, sans déconner. J'espère que tu m'enverras pas, Gatine, pour le coup que je vais te faire. Hein. Non mais je sens... Je sens la roquette arriver. Ouais, moi aussi. J'espère que tu m'en voudras pas. Dis-moi juste que tu m'en voudras pas. C'est du PVP qu'on a dit, hein. Ouais, non, mais vas-y, mais fais ce que. T'as feu vert, hein. Si c'est du PVP, okay. C'est du PVP, hein. Attends, laisse-moi moi sortir de la maison si c'est un suppositoire que tu veux lui mettre. Je finis de faire mes balles, sinon je pourrais même pas tirer. Ouais, si tu peux, ouais, si tu peux m'emmener. Ça marche. S'il te plaît. Trouve-le. Trouve-le en attendant. Non, mais si vous voulez, mais. Tu sors, je te montre où il est. Ça marche. Attends, bah je vais déjà prendre des balles sur moi. Qu'on lui mette un bon suppositoire. Moi j'ai vu arriver de Perpignan. Regarde, ne m'en veux pas non plus. Hein. T'as voulu voir pourquoi? Bah, parce qu'on fait du PVP. Ah, bah... Je vois avec un machin, un truc long, c'est pas sa queue. Le principal c'est que tu me m'égorges pas la baraque comme Ah bah c'est ce qu'il va faire là. Là je suis parti pour du PVP comme ils m'ont dit, allez viens faire du PVP. Bah là je suis vraiment parti pour PVP. T'es de sa race, on peut pas passer quoi, ça me... Comment ça tu peux pas passer? C'est bon. J'arrive, Dardarus, c'est presque fini. 8 balles là. Et c'est bon, j'arrive. Tu peux écrouler la maison, moi ça me dérange pas, Alex. Hein. On refera, puis c'est tout. Hein. Ok. Mais bon. Ça fera chier sur le coup, mais bon, c'est le jeu. Donc voilà. Bon, je pense pas qu'après tu détruises la maison, puisque c'est. T'as pas le droit de le faire, c'est dans les règles. T'es où, Darda? T'es où? T'es où? À l'entrée. À l'autre sorte, alors. Là où il y a les T-Rex là. Tiens. Je t'ai mis par terre. Donc tu l'as vu côté fontaine? Et alors, je te mange. Là, regarde. Là où je vise. Là. Ok? Ok. Pourquoi ils bougent comme ça les dinos là? Je répète, le renard a bougé. Le renard est sorti de sa tanière
Il a bougé. Ouais, bah oui, c'est pour ça, je pense que... Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Là, il est en train de suivre Dardarus, d'accord. Tu me disais, il y a un gros truc là qui cherche à nous suivre. Mais il y a un trou dans la maison là déjà. Vous avez même pas entendu en fait. Non. J'étais à côté de vous quoi. Mais là, y a même pas, on a même pas entendu de... Mais what? Là, regarde Dardarus. Ouais, j'ai vu. Ça va, hein, t'as même pas éventré la maison là. Hein. Et ça avec quoi? C'est avec du C4 quand tu l'as fait? Ouais. Ah ouais, charge C4. Attends, on va peut-être le mettre en passif aussi. Non, c'est bon, il y est déjà. Moi, je sais pas si c'est bien utile de laisser les tourelles en haut là. Est-ce que tu prends des balles un peu? Non, tu m'as pas touché. Putain. Mais ça a pas de portée cette merde. Mais tu sais où il est? Ah oui, tu l'as vu là-haut? Mais je le vois pas moi là-haut. Ah oui, d'accord. Mais t'as du mal. Non, non, mais il est tout petit là-haut. Tu veux cracher du feu ou quoi? Hein? Oh. Ah, ça c'est dégueulasse. Mais lol. C'est du PVP, hein. C'est du PVP, hein. T'en fous de moi du PVP, hein. Est-ce que c'est du PVP le truc que t'as fait là? Bah oui, bien sûr que oui. Vous m'avez même pas vu venir. Mais tu l'as balancé le C4 ou t'es descendu? Non, je suis descendu, je l'ai posé. Mais t'es repas. Ah oui, avec l'argent à vis. Oui. Pouah. Les tourelles elles servent à rien, demain je les bouge du toit moi. Bah déjà, comme je te l'ai dit avant, tu m'as facilité la tâche avec tes toiles. Pourquoi? T'as mis ton magnifique, je sais pas ce que c'était, truc en bois devant, là, ou je sais pas ce que t'as fait devant. Et c'est pas, c'est la porte, c'est la porte. C'est la porte? Bah ouais. Je sais pas, c'est bizarre, ils ont aucune détection en fait, quand c'est à cause du truc en bois, là. Ouais, mais demain, elles descendent. Et là, elles sont dans le terrain. Et là, pour les esquiver, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Oh, bordel de merde! Mais ça sera beaucoup, beaucoup plus facile pour nous de les détruire. À l'intérieur? Non. Bah, si tu les mets à l'intérieur dans ta base. Bah, ça dépend à l'intérieur où je vais les mettre. Mais tu vas pas croire que je vais les mettre à même le sol facilement accessible quand même. Bah, je sais comment ça marche. Ah, bah oui, attends. Non, non, mais attends, on va le déloger, Dardarus. T'as oublié un petit détail? On va le déloger, ce malotru. Mais le scorpion, il me fait chier, mais grave. Salut, Ricky! Ah, le scorpion, il me casse les couilles. On s'emballait.
Son balek. Bon, il est où? Il est où le toto là? Ah, oh, la roquette qui arrive, regarde. Regardez cette magnifique roquette qui arrive. Et tu sais quoi? Je peux même pas lui viser dessus. Ah, elle est explosée dans le vide. Elle a explosé dans le vide? Ouais, c'est à cause de la portée, je pense. Ouais. Ça, c'est nice. Bon, le temps que tu recherches et tout ça, hein. Mes deux. Du coup, on voit que dalle. Il repointe pas son nez, le monsieur, hein. Oh, mais genre. Cherche un autre coin. Il va attaquer par la, par le sol, tu vois. Forme. Mais j'en... Putain. Serpent de mes deux, va. Ah ouais, je peux même pas l'ouvrir de là. Je pensais que je pouvais au moins l'ouvrir de là. Saleté, casse-toi. Voilà. Une ici, je pense qu'il serait bien. Hein. Elle serait bien si on avait une ici, non? Qu'est-ce que t'en penses, Dardarus, si j'en mettais une là? D'ailleurs, ça me fait penser qu'il nous en a pété une, Indica aussi, une tourelle. Parce que tu te rappelles, elle était posée... Tu te rappelles? Tu me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la tourelle? Ouais. Bah, je l'avais laissée. Ouais, oh, c'est pas trop mal, là. Ouais, je vais en mettre une là-bas. La cinquième, je vais la mettre là. Bon bah du coup, hein... Oh putain, elle a bien pris la porte, eh. Excuse-moi. Le fourbe, il a envoyé sa roquette, après c'est barré. Le fourbe. Oh, putain, moi là, il faut vraiment gérer, je suis désolé. Mais... De quoi? Il faut vraiment que j'aille. C'est pas grave, Dardarus. Demain, vas-y, on s'éclatera voilà. Demain. Qu'est-ce que je voulais faire? Oh, tu me raconteras si ça a tout pété ou pas. Allez, oh, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, Darda. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Calme-moi ça. Oh, mais où? Espèce de bourri, quoi. Hein. Hmm, ouais, bah la barre des bacs à sable, va. Non, mais où? Ah, il y a un lit de couchage dans le truc. Sacré Dardarus. Salut Frosty, comment tu vas? Et salut Vicious, bienvenue sur le stream. Bon, bah on va refaire de la... Ah putain, faut de l'essence. Ouh, ils sont pas gentils tes T-Rex, hein. Oula. Il y en a encore qui sont agressifs. Ouh, c'est nice ça. Donc je vais les laisser faire le boulot alors. Oh, putain de merde.
Il y avait pas beaucoup de dinos qui... Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que t'es encore dans la... Ouais, t'es dans la base. Regarde-moi ça là, l'attroupement qu'il y a là. Allez, on va mettre tout le monde sur agressif. Tous les dinos. Et pas les dragons. Non, je me suis pas fait raid, Mo. Bah on a refait Frosty. On a reconstruit, c'est bon. On a tout récup. Et là, on a Alex qui tourne autour de la base, mais où, je sais pas. Puis comme il fait nuit, je vois que dalle là. Le bug là. Ouais, je sais pas ce qui les attire là, mais t'es pas rentré dans la base là, si? Non. D'accord. Je suis rentré, mais je suis parti. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais regarder ce que je voulais regarder. Parce que ici, j'ai mis l'électricité. Mais je l'ai pas monté, il me semble. Ouais, donc là, il faudrait que je monte à... On en a des lunettes de vision nocturne. Pas touche, ça froid. Comment ça, pas touche à moi? Oui, c'est mes lunettes. On dit pas mais d'abord. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. On est une team ou on n'est pas une team? C'est pas grave, c'est mes lunettes quand même. On est une team, j'ai dit, donc c'est nos lunettes. Non. Ah oui, puis ça remplace le casque en plus. Eh, hey, mais il y en a des spikes là. 30. C'est quoi ce bug de merde? Ça m'empêche de tirer. Donc c'est quoi qui manque là? Pas le serpent qui tue mes bestiaux, c'est un... Merci bébé. Boum 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 boum. Non, c'était pas dans celui-là. Le fusil de balle amélioré, c'est là. Ça c'est bien. Bon, tu vas faire moins le malin. Si moi je te vois pas, mes tourelles elles vont te voir. Chier, ça fait. Et vu. Oh, il y a du croc-croc dans l'air là. Il y a tes dragons qui me courent après. Ah, il y en a un qui est pas en passif donc. Si? Bah a priori, puisqu'il me court après, il me bouge. C'est lequel?
Bonne question, je vais pas demander sa carte d'identité. Ah oui, c'est celui qui était derrière, d'accord. En fait, je crois qu'il a pas trop apprécié que je m'attaque à tes câbles. D'accord, donc est-ce que c'est possible que même quand tu les mets en passif, à partir du moment où tu attaques la base, puis qu'il y a les autres qui te courent après, qu'ils puissent attaquer quand même? Je sais pas. Il me semble pas qu'on l'ait mis en passif, celui qui te court après. Pourquoi t'as un œuf en fait dehors de dragon? Pour parce que j'ai plus de place. Mmh. C'est un tout petit level donc on s'en fout. Okay. Ah ça c'est bien ça. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui putain? Moi je me demande si même passif il bouge parce que regarde. Lui il était censé être mis en passif aussi. Et il se retrouve là. C'est qui te croque là? J'en sais rien. Y a quelqu'un que je vois qui te croque là. C'est ballot ça hein. C'est ballot aussi que ces tourelles soient désactivées hein. Non, ah, elles sont pas désactivées les tourelles, non? Tu crois? Bah ouais. Oui. Bah logiquement, elles le sont pas. Hein. Oui, mais quand t'as plus de jus, dans la logique... Mais y'a du jus! T'as plus de tourelles, hein! Mais y'a du jus! Attends. Alors, on va faire tourelles. Pause. Pause. Attends, tu vas me dire que t'as réussi à retirer le jus sur le toit? Bah oui, c'est plus éclairé ici. D'accord, donc c'est génial si on peut péter les fils aussi. Ah bah les fils, ça c'était sûr. Hein. Les fils, on va dire c'est un truc stratégique quand t'attaques une base. Hein. Mais je comprends pas. Putain, par contre, je vais crever. Encore du boulot à faire donc. Boah, c'est le bordel les. Par contre, juste à l'entrée de ta base, t'as le dragon qui est bloqué contre la pierre au cas où. D'accord. Donc t'as coupé le fil mais tu l'as pas coupé en haut là du coup. J'ai coupé le jeu. Ouais mais tu l'as pas coupé d'en haut. Moi je suis vraiment une blonde, hein. Mais alors vraiment une blonde quoi. Crois-tu ça? Comment monter pour rien? Ouah, les frigos, tout est coupé quoi. Non. Ah mais je croyais moi j'avais juste coupé les trucs. Non, tout est coupé. Oh putain. Ah non mais c'est pas grave. C'est où que t'as coupé? Attends, non, dis rien. Faut que je retrouve où c'est que tout t'as coupé. Tu peux avoir coupé que sur le côté là où il y avait tous les dinos. Aux éoliennes donc. J'ai pas que coupé là. Je le dis juste. Non mais t'inquiète, mon installation je la connais donc Putain, j'ai failli me tuer moi-même quoi. Pourquoi ça me montre ce sens-là, là? Allez!
Mais qu'est-ce que... Comment que c'est que c'est noir là? Ouais, t'es rentré dans le bâtiment là-bas alors. Là-bas, lequel? Je suis rentré dans aucun bâtiment perso. Bah je sais pas pourquoi le cordon il reste noir là. Je vois pas là, je suis pas sur le stream donc je peux pas dire si c'est arrivé ou pas. Bah déjà c'est rétabli dans une partie. De toute façon, je vais revenir sur le stream. Non bah ça a l'air d'être bon, je sais pas pourquoi il est d'une couleur foncée comme ça. De toute façon je vais remonter à l'étage et je vais voir... Non non reste. T'as pas fini ton attaque là si? Hein? Bah je suis parti du coup hein. D'accord. Les frigos c'est bon hein, ils ont terminé. Plus ouais, il est bientôt minuit et demi, donc... Ouais, ça passe vite. Ouais. Non, je reviendrai demain quand il y aura Dardar. Ouais, ça marche. Bah, ce sera demain soir pour le coup, parce que je crois que... Ouais, ça marche, pas de soucis. Il bosse demain. De toute façon, ça me laissera le temps de faire... fignoler les trucs. Ouais, tes câbles, ouais, ils sont vulnérables. Si bah oui, mais... Comme... C'est le truc, c'est comme moi, maintenant, il y en a un qui va se poser en argent de tes vis, si tu les détruis, tu vois, avec l'argent de tes vis, en fait. Ouais, ouais, mais tu te poseras plus avec l'argent de ta vis comme t'as fait là. Hein. Attends, les tourelles, on va pas les mettre... Je vais pas les laisser en haut, hein. Elles sont pas efficaces. Depuis hier, vous nous narguez avec les dragons sans aucun problème, alors que les tourelles, elles sont allumées, quoi. Donc tu penses bien que je vais pas... On va pas lier à tout ça, hein. Donc les tourelles, je vais leur trouver une autre place, mais plus sur le toit, là. Ou au moins pour deux d'entre elles. Celle-ci, là, déjà. Là. Je suis sûr que là, elle va plus te faire chier, elle. C'est pour ça, en fait. Reviens tout nu, puis tu me dis ce que t'en penses. Ok. Mais elle, je suis sûr qu'elle te fera bien plus chier que les autres. Vas-y, j'arrive. Ouais, le câble, là, on va faire un... Tant pis, hein, je vais devoir refaire les éoliennes, je pense. Tu veux que je vienne tester une toile, c'est ça? Ouais. Bah, tu me diras si elle est plus chiante. Je mets les dinos en passif, comme ça. Ouais, j'arrive. J'ai testé. Donc 1, 2 dinos, je vais mettre les autres aussi. T'as un T-Rex qui est près de la cascade aussi qui m'a coursé jusque là-haut. Il était bien vénère celui-là par contre, il voulait pas me lâcher. Et n'oublie pas le Drake devant la porte aussi, un gatinamon qui se renvole. Il serait bête. Les quoi? Le Drake qui a devant ta porte côté rempart. Ouais. Il est coincé dans un rocher avant qu'il s'envole et qui. Ça serait bête quoi. Okay. Tu le cours après. Bon, du coup, je vais revenir. Mais après, d'un côté, on va dire les petites attaques de base, comme ça, tu vois les faiblesses aussi de ta base, oui. C'est pas mal. Ben c'est oui. Pour ça, nous, pour l'instant, personne ne nous attaquait, donc on peut pas vraiment dire. Bah, on pourra venir hein, si tu veux. Hein. Bah, nous on attend, hein, je veux dire. Mais t'inquiète. Moi, j'aime bien attaquer quand ma défense elle est bien parce que. Les coudes, je vais t'attaquer pendant que toi t'attaques les autres, je l'ai mangé aussi, donc du coup, j'aime pas commencer les attaques quand ma base elle est pas prête niveau défense. Et là, comme tu peux le voir, elle est loin d'être prête, quoi. En fait, il faut que je réorganise les bâtiments en fonction des cordons, des fils, là. Comme ça, je vais aussi pouvoir te montrer où j'ai été pour les fils. Donc côté rempart, côté entrée principale, c'est ça, hein? Ouais. Tu
Tu verras un peu plus loin contre le rocher. S'il y a encore, en tout cas, où je suis parti, il était contre le rocher. Oh, mais lol. C'est le nombre de PO que tu as, Rust ? Frost ? Tu sais quoi, je pensais à ta connerie que t'as dit l'autre jour. Je pensais Rust, Croquette, Rust, Frosty. Tu parles de Choupette, c'est ça ? De quoi, le dino ? Oui, non, le dragon. Le dragon, je sais pas. À côté du rempart. Je sais pas, c'était qui a été coincé contre un rocher. Non, mais je te parle à l'extérieur, hein, Gatine. D'accord. Ah, elle est là. Attends, je vais te dire c'est qui. Logiquement, je pense pas comme un gros, vu que je l'attaque pas. C'est. Putain, je vois pas. Ah, si, attends, putain, je vois là. C'est une noire un peu orange en dessous du ventre. Rookin ? Noiraude, je crois que j'ai pu. Noiraude ? Que j'en vois. De toute façon, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont envolés au-dessus là, parce qu'il m'en manque. Non, j'en ai juste vu un dessus. Hein. Je sais pas si tu me vois. Attends, je vais te. Ah oui, si. Si, ça là. Y est. Vu. Mm. Il n'y en a que un qui m'a coursé des dragons. Ah ouais, de nouveau en tenue anti-émeute et tout. Bah eh, quand on PVP, ouais, je m'équipe un minimum quoi. Sinon ça sert à rien. Ah non, on l'a fait très rarement la tenue anti-émeute. Ah t'as un... Tu vas attaquer ? Non, c'est bon. C'est bon. Il a pas eu le temps ce petit con. Non mais oh. Du coup c'est à quel toit que tu voulais que je regarde ? C'est qui est sur le bâtiment de reproduction. Ouais bah là je vais me faire tirer dessus. Ah je suis pas en passif. Mais après le truc, allez, faudra que t'en mettes une de l'autre côté alors du coup. Oh putain ils me tirent tous dessus en fait là les tourelles. Là ils se réveillent quoi. Donc elle fonctionne bien derrière. Ouais. Elle mieux que celles qui sont sur le toit. Bah déjà la tourelle que t'as mise sur le toit de reproduction elle est en face en fait, tu vois, c'est ça qui est bien. Genre si on vient de face, on se prendra des rafales obligatoirement. C'est clair. Faudra que t'en mettes une de l'autre côté aussi pour combler... Ben, puis je vais en mettre une côté cascade aussi, je pense. Une côté cascade. Ouais, comme ça on fera moins les malins, hein. Wow, sur la serre. Ça se fera sur la serre. Longue distance, hein. Bah sur la serre, ça peut être pas mal, non ? Ah, ah, ah. Et j'ai cassé là aussi, Gatine. Hein ? Les fils électriques, je sais pas ce que c'est ça, mais j'ai cassé là aussi. Oula. Bah je peux pas me montrer parce que je me fais tirer dessus. Mais t'es à côté de quel bâtiment ? À côté d'un Rex blanc qui est dans une porte. Ah dans l'enclos ? Ouais mais à côté. Je crois là où t'avais commencé à construire pour les dragons. Avant la première. Ah oui d'accord. Ok j'ai vu. Ça y est. Oui là c'était rien. Le que t'es cassé ici c'était rien. Ça, c'est la partie qui éclaire juste... À l'endroit, en fait. Okay. Bah, vouette pour l'enclos, quoi. Ok. Voilà. Rétabli. C'est qui est reparti ou qui est revenu ? T'as vu ça ? Ils sont bien vénères, hein, mes dinos, hein ? Ah, c'est lui, monsieur Pod. Ouais. Qu'est-ce que tu caches dans ton oiseau ? Qu'est-ce que je cache dans mon oiseau ? Ouais, qu'est-ce que tu caches dans ton oiseau ? Des lance-roquettes, hein ? À vous ! Des armes. Attends, éloigne-toi, je suis Gatine parce que je vais faire retour Windows, parce que quand je fais un clic, que je te touche. Ok. Merci. Vas-y. Voilà. Parce que je suis en train d'écrire à. Pour lui dire comment trouver du lait de wyvern. Du coup, ça m'a fait un retour Windows. Un million, ça le fait, Frost, hein.
T'es motivé, hein? Cutty, bon, on va essayer de remettre les dragons quand même. Je me refais canarder, quoi. Comment ça, tu te refais canarder? Bah, partez de toi. Ah ouais, encore? Mais t'as pas bougé là. Tu veux que je la désactive? Attends, je vais désactiver. Bien vu le temps que je suis dans ta place. Mais t'as mis deux roquettes sur les murs là. Quelle? J'avais pas vu. Bah les murs là de la maison. Putain, c'est pas là. Tu parles de la porte d'entrée pour entrer dans ta maison? Ouais. Non, j'ai mis aucune roquette là, c'est le C4. D'accord. Le pire c'est que le C4, je l'ai placé. Vous étiez limite à côté de moi quand je le place. J'ai eu chaud quoi, je me suis dépêché en 2-2. Je me suis dit avant qu'il me voie. Bah après lancer puis partir c'est vite fait hein. C'est bon là normalement. What the fuck? Mais lol. Je me fais tirer dessus, Mais tu crois ça, je l'ai. Mais ils sont en passif les bêtes. Je vais péter un câble. Y'a un drake qui me suit par contre. Ouais, je viens de voir, c'est choupette. Et tu sais quoi, y'a la petite bestiole que tu nous as tame, je crois qu'il te suit aussi. Ah, c'est gavant les dragons, hein. Franchement c'est gavant choupette, quoi. Elle s'est posée devant la baraque, à nouveau la même porte. De okay. Côté humain. J'arrive. Moi bah du coup je rentre à ma base. Parce que... Ouais, ça marche. De toute façon, moi je vais arrêter parce que là il va être l'heure aussi donc. Ton compte bancaire. Il y a enfin Alex. De quoi? Ça fait un moment hein, qu'il est là. Hein. Ouais. Je sais, mais comme je fais des trucs sur vous. Ouais, bah oui. Mais je viens de boire, il est sérieux lui? La tenue émeute, elle la soif pas mal quand même. Ouais, ouais, tu cours, tu fais un sprint, c'est fini quoi, t'as plus de. C'est pareil que la métal, c'est des armures. Hein. Voilà, ils protègent bien, mais niveau soif, c'est galère. Ouais, c'est relou. Donc toi, tu vas te mettre ici et tu vas arrêter de bouger. Non, j'ai pas envie. Voilà, passif, hein, on a dit. Par contre, a priori, quand tu désactives tes toits du toit, celle-là de la truc de reproduction, elle se désactive pas. Hein. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle m'a encore tiré dessus quand. Les autres, elles me tiraient plus dessus, mais celle-là du toit, elle me tirait dessus. Ouais, donc tu vois, c'est mal foutu leur système quand même. Putain, heureusement que. Honnêtement, on lui a monté la vie à lui à presque 10 000 points de vie à l'Argentine, sinon je crois qu'il serait du. Il serait mort. Ah ouais, deux fois au moins déjà. Mm. Manque lui a mis 10 000 points de vie à la bestiole. Ah ça fait mal donc une tourelle quand même. Un Argentavis, ouais, ça lui fait quand même très très mal. Argentavis de base c'est pas on dirait, pas résistant. C'est pas fait pour ça ouais. C'est pas comme un dragon ou autre qui peut encaisser plus. Ouais. Cadeau de tuelle. Ah mais c'est mon foco qui te suit en fait. Ah oui quand t'es avec déco pour aller manger. On a un peu embêté Squall aussi. Et Grégès on l'a attrapé, on l'a mis dans notre cabane de tame, on l'a tame. Mais lol. Et donc ça marche bien les tames alors? Ah franchement on l'a bien tame. Ça va au final il a été content quand il est parti, il a reçu un 9-220 donc de okay. Bon bah moi c'est pas que je m'ennuie mais je vais déco là et je vais stop le stream là. Et bah de toute façon je reliverai normalement je crois que c'est demain après-midi sur la chaîne communautaire. Attends je sais plus si c'est l'après-midi ou si c'est le soir. Si c'est l'après-midi je crois, si j'avais bien vu. Ouais, je l'ai mis sur Discord de toute façon le. Attends, je vais aller voir quand même. Ah, ta 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 ta.
demain soir donc. Demain jeudi, soir. Demain soir, c'est sur un. Ce sera sur la chaîne communautaire. Non, je raconte des conneries. Demain, on est mercredi. Oui. C'est l'après-midi. 14h à 17h sur la chaîne communautaire et le soir, ça sera sur la mienne. Alors voilà, pour le programme. Ouais, le programme. Bon, ben, du coup, tout fermé. Je te dis ouais. Bonne nuit. Bah, merci, toi aussi, Alex, et puis bah, à demain. Oui. Bonne nuit, tout le monde. À demain. Puis merci d'être passé, merci d'être resté. Puis suite à des aventures, bah demain je pense qu'il y aura plus de PVP parce que je vais plus me préparer niveau. Bah je vais finir en fait. Les fameuses finitions que je dois finir, je vais les finir. Donc voilà, voilà. Donc bonne soirée à tout le monde. À demain! En forme et de bonne humeur!